il y a beaucoup de choses en fait qui sont dites au niveau de la Kundalini, beaucoup aussi peut-être d'incompréhension par rapport à cette puissance, à cette force qui se loge hein, au cœur de la matière, hein, au cœur du corps. Certaines personnes considèrent que c'est quelque chose d'inutile, d'autres de perturbant, d'autres de dangereux, etc., etc. Certaines traditions considèrent que c'est quelque chose à laquelle il ne faut pas s'attacher, d'autres la rejettent, d'autres au contraire cherchent à la manifester. Certains utilisent même certains exercices physiologiques, hein, avec des pratiques de balancer, des pratiques mantriques et autres, on va dire, pour pouvoir la déclencher, avec à la clé quelque part l'obtention, on va dire, de certains pouvoirs ou de certaines possibilités. La chose, si on se demande en définitive, quelle est cette force, quelle est cette lumière, cette énergie, d'où elle vient, et quel peut être, on va dire, le potentiel, ou du moins, quel est le but, en fait, qu'elle est capable de manifester. Je pense que l'éveil est à la mesure déjà de l'hypersensibilité qu'on a au départ, et ensuite de l'éloignement qu'on a avec sa vraie nature, quoi. Et du coup, moi, je m'en étais tellement éloignée et j'étais quelqu'un de tellement hyper-sensible que, bah, du coup, à un moment, quand on verrouille tout, bah, la nature a trouvé cette espèce de magnifique possibilité de se réveiller. Sauf que moi, j'avais besoin d'un bazooka. Hein. C'est comme si, je sais pas, y a un ruisseau puis qui s'est emmuré. Enfin, une énergie que je compare au flot de l'énergie qui nous traverse, quoi. Et puis, on l'emmure comme ça. Le corps est complètement, voilà. Moi, on voit les photos de mon mariage. Hein, on aurait dit un robot, quoi. Donc forcément, l'essence qu'on est, moi j'ai comme une goutte d'eau qui a fait péter le mur que j'avais construit, et du coup, très fortement, quoi. C'était vraiment un éveil extrêmement puissant qui a duré un gros gros moment et qui a vraiment tout cassé dans ma vie. Mes rigidités corporelles, tout ce que j'avais construit qui n'était pas moi, mon mariage, le poste que j'avais. Donc j'ai vécu en même temps que cet éveil corporel, bah, une crise immense. Hein. J'ai perdu mon job, j'ai perdu mon mari, j'ai vécu une trahison, j'ai vécu une faillite financière hallucinante. Et tout ce que j'avais refoulé, toute mon hypersensibilité, bah, a explosé. Et toutes les émotions que j'avais pas voulu sentir, la peur, la colère, enfin bon, moi je pensais être quelqu'un de parfait. Et en fait, j'ai eu une reconnexion à toutes mes ombres et à toutes mes imperfections que j'avais surtout muselées, quoi, et dans le bon sens quelque part. Hein. Les imperfections, ça voulait dire, bah ouais, je suis en colère parce qu'on me demande de faire quelque chose qui n'était pas moi, et qu'elle me donnait une bonne information sur mes limites que je ne sentais plus, les peurs, donc enfin tout ce qui normalement devrait être des bonnes informations pour savoir qui on est, ben moi je les avais perdues, quoi. Donc cet éveil-là m'a permis de me reconnecter à toutes mes sensations, je dirais, corporelles. C'est vraiment comme un flux. Et quand ça s'éveille, ça rencontre en nous les émotions, les croyances qui sont dans notre canal sous forme de densité ou de fluidité ou d'accélération. Donc ça peut rencontrer des murs à l'intérieur de nous, ça peut rencontrer des murs de croyances par exemple, ça peut rencontrer des failles émotionnelles comme un trou à l'intérieur. Ce qu'on appelle, on va dire, les montées de Kundalini sont, on va dire, ce robinet et cette énergie qui a tendance quelque part à se réveiller donc dans les aspects d'en bas et qui va commencer à canaliser quelque part de bas en haut, on va dire, les différents centres et nourrir les différents centres énergétiques et commencer sur son chemin à déboucher les différents bouchons obstrués, on va dire, par des émotions perturbantes, à des blessures et à des choses, à des contractions qui se sont créées en fait dans notre corps énergétique, relativement en tout cas du corps astral hein, inférieur. Alors ça s'est passé d'un seul coup en fait, et ce qui est assez curieux parce que j'ai comme un avant, un après en fait, éveil de Kundalini. En fait, c'est comme une goutte d'eau de plus au niveau émotionnel, enfin une blessure qui était pour moi en fait la plus grosse blessure, qui était la trahison. Et il y a eu une espèce de goutte d'eau, un événement qui a déclenché un espèce de processus corporel, une grosse émotion qui m'a en fait éveillée. Un espèce de mouvement corporel que je connaissais absolument pas et qui a fait que tout a explosé dans mon corps d'un coup, quoi. C'était assez déstabilisant au début parce que j'ai cru que ben voilà, c'était juste une forte émotion. Sauf que j'ai commencé à avoir mon corps qui faisait des bonds, de la lumière, j'entendais des voix, enfin, c'était quelque chose assez hallucinant et j'étais complètement décontenancée parce que moi, hyper cartésienne, hyper rigide et tout. Et ça a été le démarrage de ce processus-là.
Dès que je lâchais prise au niveau de ma tête le soir quand je m'endormais, ben mon corps faisait des trucs bizarres, quoi. Et c'est aussi concomitant avec la naissance de ma première fille, qui en fait est née un mois avant. Donc j'imagine que ça avait préparé le processus en fait d'une descente corporelle, je pense, parce que j'étais extrêmement mentale. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui a un doctorat d'économie, voilà, toujours major de promotion, qui travaillait comme une dingue, voilà, gros poste et tout, donc vraiment bien bien dans la tête. Et la naissance de ma fille m'a fait descendre déjà dans le corps, et puis après une blessure m'a refait descendre plus profond, et là, pouf, il y a eu une explosion corporelle. Les toutes premières montées, elles ont eu lieu dans une période de basculement assez brutale, avec un intérêt soudain et très puissant pour la spiritualité et cette soif de découvrir qui j'étais réellement, au-delà des apparences et de ce qui est communément admis. Donc je me suis mis à méditer tous les jours intensément pendant plusieurs heures. Puis au bout de seulement quelques jours de méditation, j'ai commencé à ressentir une boule d'énergie se manifester en bas du coccyx. Et je remarquais qu'elle était directement liée à l'absence de pensée. C'est-à-dire que plus mon esprit était vide, plus ça l'excitait. Donc je savais absolument pas ce qui se passait, je savais pas ce que c'était, hein, j'avais jamais entendu parler de Kundalini. Donc j'avais vraiment aucun repère sur ce que ça pouvait être. Puis d'un coup, cette boule d'énergie-là a littéralement explosé. Et là, j'ai ressenti une énergie électrique me traverser de bas en haut en faisant ce mouvement-là. Alors, je bougeais plus du tout, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et les premières fois, c'est monté jusqu'au niveau du plexus. Les fois d'après, c'est monté jusqu'au cœur. Et là, j'ai ressenti comme un énorme choc électrique dans le cœur. Je m'entendais crier intérieurement « Ah !» C'était hyper intense, mais aucun son sortait de ma bouche. Et ensuite, les jours suivants, je ressentais une énorme chaleur dans toute la poitrine, une chaleur extrêmement apaisante qui invitait au calme, au silence. On a vraiment trois espaces particuliers qui sont actifs. Un espace qui est endormi, qui se situe dans la partie tellurique, un autre espace qui est actif, qui se situe juste au-dessus de la tête, et un espace qui est vivant, qui prend le contrôle, qui est au niveau du cœur. Et chez tout le monde, en fait, ce processus n'est pas forcément activé. Chez tout le monde, on va dire, le processus est complètement différent. Certaines personnes ne vont pas du tout avoir ce processus qui va se débloquer d'une certaine façon, et d'autres personnes vont être beaucoup plus emmenées dans l'impersonnalité de l'être, alors que d'autres personnes ne vont pas toucher à ça et vont tout de suite être emmenées dans le monde des énergies. Parce que la Kundalini en elle-même, quand elle se réveille d'un certain point de vue, va amener, on va dire, un réveil de ces énergies dans le corps, généralement situé donc de bas en haut, et va commencer à pénétrer le corps, hein, en commençant principalement au début à nettoyer les corps subtils. Je vivais des trucs corporels, c'est-à-dire que pouah, il y avait des gros éveils et ça coinçait au niveau du plexus, hein, là où il y a le siège des émotions. Donc on sent réellement que là, il y a comme un pont, un saut à avoir avec des gardiens, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ça tapait tellement fort et du coup ça me faisait vomir parce que c'était des émotions tellement refoulées qu'elles n'étaient pas encore capables de sortir de mon corps. Et du coup, le symptôme, je sais pas, quand vous avez une grosse émotion, vous vomissez, ben c'était la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, moi, c'était des vomissements. Après, ça a été de l'émotion. Et là, toute une série de trucs de fou. Et on sentait bien que là, il y avait un passage, quoi. C'était complètement, complètement fermé. Et c'était le passage du cœur, hein. On sentait bien que ça passait pas, quoi. En tout cas, au début. Et donc, quand cette force, elle pousse, et qu'il y a un mur de croyance que, par exemple, on n'a pas accès directement à Dieu, ou que la sexualité est une force démoniaque, elle va pousser, parce qu'elle est neutre, elle n'a pas de jugement sur ça. Donc elle s'éveille simplement parce que c'est le moment. En ce moment, on est au printemps. Et donc, on est en pleine Kundalini saisonnière. Je veux dire, les fleurs vont pousser, elles vont se mettre à pousser en une nuit. Mais il y a des adolescents, ils prennent 10 cm en un été, c'est la même chose. Ils commencent à bourgeonner, ils ont des boutons, parce que les hormones se mettent en route. Donc cette force, elle pousse. Et quand elle rencontre des murs de croyances,
elle peut faire sauter le mur. Et puis, on voit des dilemmes psychiques. Généralement, les personnes qui commencent à vivre des nettoyages qui sont relativement grossiers, c'est-à-dire un petit peu dans le corps astral inférieur, vont commencer à vivre des montées qui vont être relativement violentes, assez fortes, hein, assez pris de saccades, de choses assez fortes, de mouvements spontanés. C'était plutôt un syndrome de Kundalini, comme on l'appelle, plutôt qu'un un éveil, dans le sens où c'est un truc pas marrant à vivre dans son corps, quoi. Et en même temps, qui m'a relié à mon essence profonde, quoi. Mais au début, c'était un nettoyage, quoi. Comme si on met du desktop dans un canal, quoi. Et du coup, bah, plein de manifestations hallucinantes, quoi. J'ai des manifestations, bah, j'en avais de multiples. C'est-à-dire que je faisais des sorties hors du corps. Alors, vous imaginez, pour quelqu'un qui a des parents qui grèvent des cœurs poumons, qui sont hyper cartésiens, tout on réussit, on est parfait, tout ça. Moi, je découvrais un monde. Je dis, mais je suis en train de devenir taré, quoi. J'avais des flashs dans les yeux. J'avais mon corps qui faisait des mouvements involontaires, c'est-à-dire l'énergie bougeait toute seule, hein, dès que je lâchais prise. Donc, mon corps faisait des mouvements de yoga. Il faisait des mouvements de sport aussi, pour réactiver, en fait, la circulation du sang, par exemple, de taper les pieds par terre. Enfin, voilà, des trucs qu'on fait en yoga aussi, avec où on tire la langue très fort, avec des bruits, des sons. Enfin, voilà, quelque chose qui est assez marrant. J'avais aussi énormément de synchronicité qui j'ai dit, mais la vie est magique. C'est-à-dire que, à la fois, je vivais des émotions très dures, avec des manifestations corporelles où j'avais des orgasmes spontanés alors que j'étais à la limite frigide. J'avais des vomissements, même, comme en nettoyage. Hein. C'est comme si vous aviez, je sais pas moi, du 200 000 volts qui passe dans un fil trop petit, quoi. Donc le corps, il a des manifestations de bons, de choses qui bloquent. J'ai des symptômes, j'en avais des tas, quoi. Hein. Et ces synchronicités qui me faisaient découvrir une magie. Je lisais un livre, le lendemain, j'étais en train de vivre la scène du livre. Enfin bon, je le relate dans le roman que j'ai écrit parce que c'était juste dingue. Et j'avais tout un monde qui s'ouvrait à moi, qui était magique, que je connaissais pas, avec la découverte aussi de plein de gens qui vivaient des choses comme ça. Et je me dis, mais on nous a caché tout ça. Et moi, en étant extrêmement rationnelle, extrêmement cartésienne, ben, je voulais trouver du sens à ce que j'étais en train de vivre, quoi. C'était vraiment une crise existentielle, spirituelle, avec une foi immense en la vie que je n'avais jamais ressentie. Et au milieu de ça, ben, une série d'épreuves. Et j'avais autant d'ombre et de lumière dans ma vie, quoi. C'était quelque chose d'hallucinant. Et ensuite, les fois d'après, c'est monté jusqu'au troisième œil. Et alors là, ça n'a pas du tout fait ce à quoi je m'attendais. D'habitude, ça se manifestait en nettoyant, de bas en haut. Et là, j'ai senti passer par la gorge et pouf, se dissoudre à l'intérieur de ma tête. Et j'ai commencé à avoir des battements au niveau du troisième œil et puis derrière la tête, dans certains coins. Petit à petit, on va dire, cette énergie va se raffiner de plus en plus. Elle va doucement commencer à choisir des espaces de plus en plus éthérés, de plus en plus subtils, jusqu'à devenir une énergie qui va pouvoir commencer à agir dans des aspects profonds et amener des états de conscience relativement profonds. Il faut savoir que généralement, les montées de Kundalini, pour ceux qui la vivent de manière violente ou assez perturbante, ces montées-là se situent en fait dans les parties très grossières du corps. Quand on commence à avoir des montées de Kundalini qui sont relativement préparées, où cette énergie a déjà, un certain travail a été fait dans lequel le corps est déjà relativement nettoyé, l'énergie est suffisamment raffinée, on commence à vivre des montées de Kundalini qui se situent et qui montent principalement de manière plus forte dans le canal central, qu'on appelle le canal de Sushumna, qui, lui, va récolter et ne peut récolter, on va dire, que la sève élaborée d'un certain point de vue. Et cette énergie-là, quand elle est préparée, elle monte dans ce canal et a tendance à faire fondre l'individu, hein, et le relier quelque part un petit peu au cœur. Certains peuvent avoir la grâce d'avoir des éveils spontanés de la Kundalini, mais si tout n'est pas libéré à l'intérieur d'eux, les croyances, les émotions profondes, si le cœur n'est pas suffisamment ouvert, ça peut les consumer. À un moment donné, la chaleur s'est mise dans tout mon ventre. Et je sens que ça vient jusqu'à dans le dos, au niveau du sacrum. Et là, je vis une explosion, pour pas dire, je vous avoue, un tsunami de lumière, de chaleur, mais aussi émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, quand le sacrum, j'ai senti que ça sortait du sacrum, qu'il y avait une chaleur et une explosion de lumière qui sortait du sacrum,
ça, je crois, en une ou deux secondes, monter jusqu'au-dessus de ma tête. Mais vraiment, je sentais que je passais des espèces de strates comme ça, mais très rapidement. Et là, je me suis effondrée, mais vraiment effondrée en pleurs. Tellement, je sentais, il y avait un amour extrêmement pur, une sensation d'amour illimité. Et il y avait un mélange de lumière blanche, éclatante, presque électrique, que moi, je ne connais pas en tant qu'être humain, que je n'ai pas trouvé là, terrestrement, j'allais dire, et une couleur or aussi. Il y avait ce mélange blanc, électrique, mais vraiment électrisé, et or, qui faisait ce mélange-là, et qui est parti vraiment du sacrum jusque largement au-dessus de la tête, qui a fait comme un... c'est comme une fontaine, voilà, une explosion comme ça, d'ouverture. J'ai pleuré non-stop comme un bébé pendant 2 heures et demie. J'ai cru que ça ne durait que quelques minutes. Quand j'ai regardé, ça a duré vraiment 2 heures et demie. Ce n'est pas simplement une énergie qui monte. En fait, on a deux kundalini. On a une kundalini de polarité, je dis bien polarité négative, c'est-à-dire magnétique. Et on a une kundalini électrique qui est, elle, positive en polarité et qui est active en permanence, tout le temps réveillée. Hein. Et celle-là, c'est celle que l'on ressent en fait en permanence quand on ressent une pression sur la tête, quand on ressent une descente d'énergie, quand on sent quelque chose qui a l'air de descendre des plans supérieurs et descendre en nous. C'est en fait la réponse quelque part, c'est l'action, on va dire, de cette kundalini positive, réceptacle des énergies supérieures qui descend à travers nous et qui cherche à montrer le chemin quelque part un petit peu à la kundalini qui, elle, cherche à monter. Et donc chez la plupart, on va dire, des personnes, on a généralement soit les personnes qui commencent simplement par recevoir de haut en bas, où l'énergie commence à préparer le terrain pour la kundalini d'en bas, ou alors ceux pour lesquels ce n'est pas préparé, mais il y a l'énergie d'en bas qui commence d'abord à arriver de bas en haut et qui, elle, va préparer le terrain pour l'énergie d'en haut. Je vivais une sorte de mal-être, mais je ne savais pas ce que c'était. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir des frissons qui ont commencé des pieds et du bout des pieds, des orteils, et qui ont monté de façon sur une tranche très précise tout le long du corps. Et puis ça s'est répété, et ensuite c'est devenu des vagues. Et ces vagues qui ont monté m'ont traversé physiquement tout le corps, et quand ça arrivait au niveau du crâne, ici ça heurtait, et là ça faisait boum. Et là je percevais, ou j'entendais même une sorte de bruit, quand cette vague, elle heurtait le sommet de mon crâne. Et pour moi, c'était tellement intense et tellement douloureux, mais en même temps d'une douleur particulière, que je ne savais pas si j'allais vivre ou mourir. Et donc, la douleur était très particulière. C'était juste une douleur quand ça heurtait et que ça résonnait à ce niveau-là. Et donc, au bout d'un moment, je ne sais pas combien de temps il s'est écoulé, peut-être au moins 5-10 minutes, peut-être plus, je pensais que j'allais vraiment mourir. Hein. Et donc, ben, je me suis recroquevillé sur moi-même, en position fœtale, sur le côté. Et là, au bout de quelques minutes, pouf, ça s'est estompé. Et là, je me suis dit, waouh ! Et après, je me suis dit, mais bien sûr, évidemment, j'aurais dû y penser. En premier, on avait appris dans notre maîtrise énergétique la position de régulation de l'énergie de la kundalini, qui est la position fœtale. Et là, quand je me suis aperçu de ça, je me suis dit, si c'est vraiment ça, eh bien, on va voir. Et je me suis rallongé. Et là, pour moi, j'aurais pas dû me rallonger, mais je me suis rallongé. Et peut-être une, deux minutes après, j'ai ressenti ces vagues monter. Et là, boum, ça a heurté à nouveau. Et là, je me suis remis en position fœtale, mais ça a continué. Et là, ça a continué peut-être pendant des minutes qui ont été très, très, très longues pour moi. Et là, je ne savais pas si j'allais vivre. Et puis, au bout d'un moment, ça s'est estompé. Et là, je ne me souviens plus de rien. Je suis resté dans cette position-là et je me suis réveillé dans cette position-là le matin. Alors, la première chose qui s'est passée, en fait, c'est une reconnexion à mes sens. Et à mes sensations. Et en fait, dans la découverte de cet endroit-là, que j'avais nié étant extrêmement mental, il y avait toute la découverte d'un univers énergétique qui était complètement étranger de moi.
et qui me donnait en fait, je sais pas, une puissance énorme déjà. Et au début, des choses qui étaient extrêmement difficiles à vivre, puisque qui dit descendre dans les sensations dit bah, tout ce que tu as oublié, tu vois, les peurs, ce que tu as refoulé, même des trucs, j'imagine, transgénérationnels qui ne m'appartenaient pas forcément, donc énorme nettoyage émotionnel. Donc c'est pour ça qu'en même temps que ces émotions, je nettoyais, je vomissais, etc. Et plus je descendais en profondeur dans ce monde-là, et plus je descendais dans la connexion à l'énergie, c'est-à-dire la capacité de sentir le flux. D'une énergie qui me circulait dans le pied ou qui faisait battre mon cœur, etc. Et là, comme la sensation qu'en fait, ce flux énergétique, il me reliait au tout. Et c'était assez hallucinant de me dire, en fait, tout ce qu'on cherchait à l'extérieur, dans la conscience, dans les sorties du corps, dans les théories, tout ça, c'était bullshit, quoi. Que la seule chose qu'il y avait besoin de sentir, finalement, c'était cette espèce de flux qui circulait dans le corps et qui savait tout. Et à partir du moment où j'avais juste de mettre la conscience à cet endroit-là, j'effectue une espèce de mariage et d'alliance entre ce qui est en dehors, la conscience, cette prise de recul, à mettre dans l'espace du senti. Et là, waouh, à chaque fois que je faisais ça, là, je découvrais tout un monde. Et ça a changé cette perception de dire, en fait, à l'intérieur, je sens quelque chose qui me relie à tout. Et j'ai eu cette espèce de sentiment d'être accompagnée, de plus jamais être seule, alors que ma plus grande blessure, c'était l'abandon et la trahison. Et là, je me sentais plus séparée ni trahie, puisque en faisant ça, j'avais la découverte grâce à ce chemin dans la descente du corps et dans cet espace, en fait, le qu'on a toujours renié, qui est l'espace de derrière l'émotion. Hein, j'avais cette alliance qui était faite, quoi, le mariage entre la conscience qui est plutôt du masculin et la sensation qui est plutôt du féminin. Et là, waouh, ça y est, je sentais une espèce de réunion, de plénitude, de Donc je me suis plus coupée des émotions que je ressentais, parce que dès que je descendais à cet endroit-là, je me sentais pleine, réunie, connectée, en reliance avec n'importe quoi, avec l'arbre, avec l'animal, avec toi. Il suffisait juste que je descende dans cet espace-là. Et la Kundalini m'a fait descendre tellement au plus profond de la sensation de mon corps, et que c'est à cet endroit-là, finalement, que pour moi, il y avait la clé de ce qu'on avait besoin de connaître de nous, quoi. Parce que cette énergie, c'est celle qui fait bouger les étoiles, pousser un arbre, et que c'était pas si compliqué que ça, finalement, et qu'on se compliquait beaucoup de choses à cause de ce qu'on se racontait dans la tête, quelque part. Alors, pour ma part, les montées de Kundalini, elles n'étaient pas orgasmiques pendant les montées. C'était même plutôt carrément violent. Mais les moments d'extase avaient lieu après, dans les heures ou les jours qui suivaient. Il m'arrivait même d'avoir des moments d'extase spontanés dans la journée. Je me souviens parce que c'était à l'époque où je vivais à Paris. Et à chaque fois, ces moments d'extase, ils avaient lieu dans le métro parisien. Alors, je me retrouvais d'un coup entouré d'un amour incroyable. Et le fait que ce soit dans le métro parisien, c'était extrêmement symbolique. Je recevais vraiment un message très fort. Je me souviens d'ailleurs avoir entendu sous forme de voix intérieure « Où que tu sois, voilà qui tu es, voilà ce qui vibre en toi. » Mais le métro, c'est aussi une forme de Kundalini, tu vois, ce serpent qui est sous la terre, dans les entrailles de la terre, qu'on associe à plein de choses négatives. Et les forces de nos entrailles, les forces des profondeurs, c'est extraordinaire. C'est un merveilleux endroit pour méditer, le métro, je trouve. Moi, je suis en scooter, je me balade en scooter, mais quand je vais quand pour une raison ou pour une autre, je prends le métro, c'est vraiment un endroit où je dis « Ok ». C'est vraiment de dire « Ok, où j'en suis de vraiment de mon amour de l'humanité », c'est-à-dire de reconnaître la flamme. La flamme, de voir la beauté des êtres, de voir malgré qu'ils sont fatigués ou qu'ils ont certains dorment dans tous les sens du terme, mais est-ce que je suis capable de voir leur flamme? Est-ce que je suis capable de reconnaître leur beauté? Est-ce que je suis capable d'avoir envie de les serrer contre moi comme j'ai envie de serrer quelqu'un qui arrive à la maison, puis je dis « Oh, bonjour, tu vas bien », etc. Mais c'est vrai que c'est aussi les entrailles de Paris, c'est la Kundalini de Paris, le métro.
avec des escaliers par moments qui montent, qui montent, qui montent vers le ciel. Et de pouvoir regarder ça comme une force à nettoyer de nos projections négatives. C'est intéressant de se rendre compte que si très très vite, on peut très très vite scléroser le processus en rajoutant des énergies mentales ou émotionnelles. C'est-à-dire que s'il y a la moindre peur, il y a la moindre appréhension, la moindre tentative d'analyse de quoi que ce soit, automatiquement, le processus est sclérosé parce qu'il demande en fait un calme et une neutralité, on va dire, des corps. Et en fait, et c'est là où on se rend compte que c'est une intelligence divine, dans le sens où si à un moment la peur est trop forte, si à un moment il y a la moindre chose qui ne supporte pas ça, il y a automatiquement une redescente du processus qui va se calmer et s'adapter quelque part à la capacité de réceptivité, on va dire, de la personne qui est en train de le vivre. Alors c'est un truc non sur lequel on n'a aucune commande, c'est parce que c'est le mouvement de l'univers, quoi. C'est en dehors de toute volonté mentale. À partir du moment où on cherche à faire quelque chose, on n'est plus dans le flux de ce qui nous anime. Donc pour moi, c'est pas quelque chose à atteindre. C'est quelque chose qui est là et qui se déclenche au moment où ça doit se déclencher, en dehors d'une volonté. Par contre, plus on est en pleine conscience, plus on est en lien avec notre émotion et derrière la sensation et l'énergie qui circule dans notre corps, et plus on va atteindre cet éveil-là qui est juste en fait l'éveil du vivant à l'intérieur de nous. C'est tout. En fait, et plus on est loin du vivant, plus on va vivre des choses compliquées pour s'y reconnecter, parce que la nature, elle est bien faite. Quand on s'éloigne de ce mouvement vivant-là, elle nous fait vivre des trucs pour juste sentir cette énergie qui a permis aux spermatozoïdes et à l'ovule de se rencontrer, qui est en dehors de toute orchestration mentale, quoi. Donc, il suffit juste, quelque part, de s'y relier. Alors, la Kundalini, ça fait partie, en fait, du mouvement, à mon avis, d'éveil qu'on a besoin de connaître parce que, un, il y a une évolution humaine, et deux, parce qu'on est dans un monde où on s'est tellement déconnecté de la Terre que cette énergie, c'est une énergie tellurique, hein, c'est l'énergie qui part du bas et qui va monter. Mais ce mouvement qui monte, c'est un mouvement de cette reconnexion à notre prise de Terre, quoi, de qui est une énergie beaucoup plus instinctuelle, primale, que ce dont on entend parler dans la spiritualité quand on dit on est dans l'unité, quoi. Ce n'est pas cette énergie-là, c'est pas la même. Et comme on est des êtres dotés de conscience à la différence des plantes, il faut mettre de la conscience sur ce mouvement-là. Un mouvement comme ça tout seul, on est un arbre, quoi. Ok, on est une plante qui pousse, on est un animal. Nous, on est des êtres humains qui ont besoin de relier l'univers de la conscience, d'être présent, en fait, à cette énergie-là, qui est une énergie instinctuelle et terrestre et tellurique. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a tout un mouvement de personnes qui parlent de la conscience, qui est un mouvement spirituel qui est magnifique parce qu'effectivement, mais c'est plus un mouvement qui nous déconnecte du corps, qui nous font connaître effectivement ce recul, cette unité, le fait d'être ailleurs. Et en même temps, la Kundalini, c'est une énergie féminine, qui est une énergie du monde du vivant, terrestre, tellurique. Ce n'est pas la même énergie. Et notre rôle en tant qu'humain, c'est de faire ce mariage entre ces deux dimensions et d'arrêter de cliver ces mondes-là, quoi. Et pour moi, ces mondes sont encore trop clivés au sein de la spiritualité, au sein des entreprises. On a le monde matériel, on a le monde spirituel, on a le monde du féminin, on a le monde du masculin, on a des super enseignants de conscience et on a des super enseignants de gens qui, effectivement, expérimentent ce mouvement énergétique, hein. Et pour moi, il y a une alliance à faire là. La Kundalini, à l'adolescence, elle se réveille. Et souvent, on l'associe à la sexualité. C'est bien plus vaste que la sexualité. C'est bien plus vaste qu'une force sexuelle. C'est une force universel. Pour moi, la spiritualité, ça va être d'être en union avec la vie et l'univers. Et la sexualité, ça va être d'être en union avec la vie à travers l'autre. Mais on voit bien que la sexualité est au cœur de la spiritualité, et non pas séparée, et sûrement pas opposée.
contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire dans certaines religions dualistes. Bon, le principe de la religion, c'est en effet de mettre « il y a du bien, il y a du mal ». Et donc, les religions, en général, ont peut-être à les savoir pour garder une forme de pouvoir sur le commun des mortels, de considérer que les chakras du bas étaient, parce qu'ils avaient une fréquence plus basse, étaient plus bas en termes de valeur. Maintenant, on est assis sur notre force spirituelle. Il peut y avoir des pensées, des pulsions sexuelles qui montent, des cris, voire des insultes, des choses obscènes qui peuvent être dites, etc. Parce qu'il y a un nettoyage, on va dire, qui vient. Il peut y avoir à ce moment-là même des pensées ou une libido, on va dire, relativement excessive, hein, quand ces montées ont lieu ou choses comme ça. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la base même et la source même de l'énergie de chaque être sur cette planète, hein, que ce soit végétal, animal ou humain, est l'énergie sexuelle. Et cette énergie sexuelle, en fait, hein, principalement est utilisé, donc je ne sais plus, un pourcentage qui est relativement énorme, on va dire, pour l'être humain, mais qui n'a d'autres possibilités, quelque part dans la vie, de puiser, en fait, dans cette énergie pour tout ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la quantité, la qualité, la puissance de notre énergie sexuelle qui détermine notre taux vibratoire vital, mental et autres. Alors certes, ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'avoir des pensées sexuelles, mais simplement on utilise cette énergie sexuelle dans le mental pour le structurer, on l'utilise spirituellement, on l'utilise vitalement ou pour le sport, etc., etc. Et c'est pour ça que beaucoup de maîtres, on va dire tantriques et autres, disaient que déjà avoir une énergie sexuelle qui était puissante était très bon signe et était très bien, on va dire, sur un chemin spirituel, parce que c'était déjà un très bon débit, quelque part, d'une énergie qui nourrissait, on va dire, quelque part le corps. Après, il faut savoir, comme un robinet a un certain débit, il faut savoir où est-ce qu'on le met et où est-ce qu'on distribue, quelque part, ces énergies. Alors, il m'est arrivé d'avoir des périodes très intenses avec 4 montées de Kundalini en 4 jours. Je ne dormais plus la nuit. J'avais dû dormir même pas 15 heures, je crois, en 4 jours. Comme en fait elle était stimulée par l'absence de pensée, elle se déclenchait toute seule au moment du passage dans le sommeil profond, au moment où le mental en fait se coupe complètement. Et pendant cette période, je me retrouvais parfois en pleine journée avec des envies sexuelles complètement démesurées, c'était un peu n'importe quoi. Alors, je me souviens d'une fois où juste avant qu'elle se déclenche, j'ai eu la sensation la plus orgasmique de toute ma vie. Ça a duré juste 1 à 2 secondes, mais alors je peux vous assurer que c'est les 2 secondes dont je me souviendrai mais toute ma vie. J'ai ressenti comme une goutte brûlante, comme de la lave descendre à cet endroit-là, là, juste à ce niveau-là. C'est comme si j'avais été marqué au fer brûlant par une forme de grâce, je ne sais pas, mais la sensation était vraiment au-delà de tous les plaisirs que j'ai pu connaître dans ma vie. Je me souviens même avoir eu les yeux qui convulsaient tellement l'extase était forte. Et la Kundalini s'est lancée dans les minutes qui ont suivi. Là, peu de temps après, on commençait à suivre de ce fait des états dans lesquels je commençais à vivre des orgasmes, on va dire, en méditation, avec des parties qui étaient extrêmement puissantes, dans le sens où je commençais à ne plus du tout maîtriser, en fait, mes méditations. Ça se qualifiait un petit peu par des petits balancés, des parties où j'avais l'impression que le sol vibrait, comme si d'un seul coup, il y allait avoir un début de tremblement de terre, on va dire, là où j'étais, où je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, où chantait toute la maison, ou tout le lieu qui commençait à vibrer, comme s'il y avait un cratère qui allait commencer à se déclencher. Des perceptions aussi un petit peu dans lesquelles il y avait d'un seul coup une sorte d'excitation, on va dire, sexuelle, corporelle, qui commençait à se faire, on va dire, même en méditation, alors que c'était pas du tout l'objet, on va dire, des pensées qui étaient mises. Ensuite, avec des qualités, on va dire, de fluide, on va dire, de chaleur, qui ont l'air de pénétrer, au contraire de frais, etc., etc. Avec des balancés qui pouvaient, en fait, amener mais presque des sons ou des oreilles qui se bouchaient, avec des sons très particuliers, très aigus, où j'ai l'impression que les tympans allaient exploser. Voilà, enfin ça, c'est une quantité de signes, en fait, un petit peu les prémices par rapport à ça. Ça, quand on commence à avoir ça, généralement, c'est vraiment quand on commence à avoir les premières coquilles, quelque part, un peu, qui commencent à se casser. Simplement, avec le temps, après, c'est compliqué pour moi d'expliquer, parce qu'il y a eu tellement d'expériences avec les années où il y a eu des montées de Kundalini qui étaient tellement intolérables, impossibles à digérer dans le corps, que le plaisir était tellement tel que je n'arrivais même pas à savoir si j'étais en train de me faire torturer
intérieurement, c'est-à-dire que c'était une torture parce que la souffrance était voilà. Si je disais que c'était de la souffrance, ça devenait une souffrance qui était intolérable parce que ma conscience n'était pas capable de le conscientiser. Et quand je comprenais ou je touchais un minimum de plaisir, ça devenait un plaisir intolérable. J'arrivais pas à savoir parce que mon corps était pas habitué en fait. Mon conditionnement au plaisir et aux notions de du plaisir même physique et vital ne rentrait même pas dans ce champ-là. Donc j'avais pas de possibilité en fait de me rendre compte. Simplement, quand tout ça redescendait, il en résultait quelque part une sorte de paix dans lequel vibrait en fait véritablement le cœur, le corps, et je vivais au tout début de mes premières montées comme ça, ce que j'appelais des éjaculations divines du cœur, dans le sens où quand on connaît un petit peu la Kundalini, on se rend compte qu'elle fonctionne, vous savez, un petit peu par rythme. Ça fait comme un peu des, vous savez, quand on met de l'eau dans un tuyau et pouf, il y a un rythme en fait. Ça engendre automatiquement et ça met en place ce qu'on appelle le système phénique et il y a un rythme. Et quand on commence à avoir des montées de Kundalini, on commence à avoir des balancées comme ça et on se rend compte qu'en fait, ce processus de balancée amène, stimule et maintient quelque part les montées en fait qui commencent à y avoir lieu. Et cette énergie, comme elle se balade, eh bien, elle peut aller explorer toute notre dimension dans tout notre canal. Et le fait de vivre une expérience belle et fluide avec la montée de Kundalini, c'est une circulation naturelle au travers de tous les chakras et tout notre canal qui va nous amener à toucher un état où il va y avoir quelque chose de plus vaste, de plus stable, qui va englober quelque chose et qui va entraîner un état de bien-être magnifique, une sorte de béatitude, mais j'aime pas ce mot parce qu'on reste dans la matière, hein, et en restant dans la matière, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui fait que je peux prendre tout ce qui m'entoure. Donc ça, c'est la belle expérience de l'énergie kundalinique. Et puis, il y a d'autres expériences qui sont moins agréables et qui peuvent faire que la personne arrive en hôpital psychiatrique. Pourquoi ? Parce qu'elle va toucher des états tels qu'il va y avoir rupture de la matière. Je crois que pour l'instant, je ne connais pas de mots concrets pour définir cet amour-là. Alors j'ai un peu l'émotion, excusez-moi, mais je suis en train de réaliser qu'on a tous ça en nous, donc ça m'émeut. Ça a été aussi, il faut que je vous le dise, traumatisant, parce que j'ai vécu ça seule, un matin dans mon lit, que je n'ai pas su ce que j'ai vécu pendant 2 ans. À l'époque, j'avais mon cabinet marchait bien, enfin j'avais ma vie, mes amis, mon sport, etc. Et donc, c'est quelque chose que j'ai vécu de manière très seule. Excusez-moi pour l'émotion, mais c'est exactement ça. Et pour la première fois, de pouvoir le poser, c'est... je pense à moi et à tous ceux qui l'ont vécu. Je pense aussi à toutes les familles qui ne savent pas ce que c'est. Il faut savoir qu'émotionnellement et physiquement, cette explosion d'amour, le corps physique qui est en 3D, très souvent n'est pas prêt à recevoir cette pulsion et à cette rapidité-là. C'est une accélération, en tous les cas, que moi, consciemment, je n'avais pas demandé, je ne savais même pas ce que c'était. Voilà, donc c'est un non-hasard de la vie qui a fait que j'ai su ce que j'ai vécu que 2 ans après. Je suis restée 2 ans sans pouvoir en parler, à le dire qui que ce soit. Vous imaginez bien que j'ai essayé d'en parler à des médecins, à des gens, voilà, des thérapeutes. Alors on va dire pour les plus bienveillants, bah, à la rigueur je vous écoute et il y a un petit sourire de « c'est ça, bah, écoutez, on verra plus tard et au revoir ». Voire jusqu'à un rejet, voire jusqu'à un jugement. Et là c'est encore, je vous le dis, plus dangereux. Parce que là, c'est comme quelqu'un qui a vécu tout traumatisme, ça rajoute encore plus une couche. Ce par quoi j'ai été traversée, je l'ai été traversée parce que je ne savais pas que je l'avais déjà en moi. Moi, je l'appelle Dieu. Chacun y met le grand tout. Chacun y met, d'accord. Jamais j'aurais dit ça il y a 10 ans. Quand je m'entends parler, je souris. Je suis bienveillante avec moi et je me remercie, je me gratifie. Mais voilà, donc pour vous dire que moi je suis même allée jusqu'à demander d'être hospitalisée en clinique. Et au lieu de juger, je crois que si les personnes spirituelles ou qui sont sur ce chemin-là se mettent aussi à critiquer le monde médical, on fait la même chose que ce qu'ont fait toutes les autres personnes avant et tout le système qui existe depuis des siècles. Pour moi, c'est qu'on n'a pas compris. Il est primordial pour moi
d'entendre qu'on fait partie de ce tout. Et que donc, on n'y arrivera que si on a aussi les médecins, les psychiatres, les thérapeutes, les enfants. On est ce grand tout terrestrement. Et j'aimerais quand même juste dire que j'ai eu la chance de tomber sur une clinique donc psychiatrique où j'ai eu beaucoup de chance, où le psychiatre venait d'entendre parler de ce qu'était que la Kundalini, et encore plus quand les gens le vivaient seuls. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai pas eu un psychiatre qui m'a jugée, qui m'a traitée de folle. Il m'a dit « Vous êtes tout sauf ça, vous avez même un cerveau qui fonctionne plutôt bien ». Accepter aussi les dons qui vont avec, entre autres la clairvoyance, la clairaudience, ça a été des mois de travail. Il y a beaucoup d'adolescents qui sont en HP qui auraient besoin en fait d'un accompagnement chamanique et spirituel. Parce qu'ils ont eu des éveils de Kundalini, mais qui ont, c'est-à-dire des moments d'éveil spirituel, mais qui ont rencontré des croyances, qui ont rencontré des murs à l'intérieur d'eux-mêmes, et ça a tout explosé. La façon avec laquelle on gère ça aujourd'hui dans la plupart des hôpitaux psychiatriques, on emmène la personne, puis on lui donne une dose médicamenteuse assez importante et imposante pendant 3 semaines. Le process s'éteint, la personne revient dans la matière, et là ensuite elle est groggy, elle ne sait pas trop ce qui s'est passé, et en fait elle n'a pas intégré cette crise qui est une crise d'évolution spirituelle. Les montées de Kundalini sont des crises d'évolution spirituelle et on manque d'organismes et de structures qui accompagnent cela. Et c'est là où c'est hallucinant parce que quand on vit ce type de crise-là, on a tout un univers archétypal qui s'éveille. Alors je l'appelle comme ça pour éviter de parler de Jésus, de choses comme ça. C'est-à-dire que c'est, pour moi, c'est juste une énergie qui a besoin d'arriver à soi pour nous guérir. Et souvent, des gens, quand ils vivent des trucs comme ça, ils se prennent pour l'élu ou je sais pas quoi. C'est vrai que moi, je rêvais de Marie-Madeleine, je faisais des méditations avec Marie-Madeleine, elle m'offrait un crâne, etc. J'ai appris à avoir le melon et me dire, bah, ça y est, je suis l'élu, je suis Marie-Madeleine, je me suis réincarnée, etc. Comme on voit beaucoup. Moi, je le vois pas comme ça. C'est que j'étais tellement loin de mon féminin. J'étais tellement loin de l'espace de sensation. J'étais tellement loin de ma sexualité. J'étais tellement loin de mon corps, de mon cœur, de mon premier, deuxième, troisième chakra et du quatrième, quelque part, qui est vraiment la dimension du bas, qui est beaucoup plus féminine, bah, que Marie-Madeleine est venue juste pour reconnecter une énergie et un enseignement que j'avais besoin de recevoir. Donc, elle m'a enseigné cette descente vers le corps. Et c'était juste un archétype qui est venu compléter, puisque tout dans l'univers fonctionne par polarité, hein, témoin, il y a le plus qui arrive. Donc, il te manque du féminin, je t'en amène dans ta vie. Et moi, c'était comme ça que ça s'invitait, en fait. Et ça s'invitait par, effectivement, ces archétypes. Donc, Merlin l'Enchanteur pour me connecter à cette dimension spirituelle que j'avais perdue. J'avais Indiana Jones qui venait souvent aussi parce que j'avais ce côté aventurier, comme je raconte enfant, où j'adorais aller dans la nature. J'avais complètement perdu ça puisque je travaillais dans l'entreprise. Et puis, j'avais Marie-Madeleine, effectivement, qui m'apprenait cette descente dans le corps. Et c'était assez marrant parce que c'était pas des livres que je lisais, c'était comme une énergie qui me pénétrait quelque part, hein, et waouh, et je sentais et qui m'enseignait quelque chose. Donc comme si la connaissance elle préexistait à moi, quoi. Et c'est là quand tu es super cartésien, tu dis mais je suis en train de devenir gaga, je vais finir à l'HP, c'est pas possible, quoi. Et en même temps, mais que des validations de ce que j'étais en train de vivre, des enseignements que je recevais. Je les lisais le lendemain, les rêves que je faisais me conduisaient sur des lieux, je disais je sais pas où je vais, puis poum, il y avait marqué Marie-Madeleine sur l'église, ah ben tiens, bizarre, voilà, que des trucs comme ça. Et attention de pas se prendre pour l'élu à ce moment-là, je pense que c'est plus on est malade, plus on a ce type d'énergie qui arrive. Je le vois plus comme ça, moi. Tu vois, si t'es sain, t'as pas besoin de ça, quoi. Cet enseignement-là, c'est là où il faut être authentique. Et il faut voir à quel point ce type de choses, quand on reçoit le Christ, c'est juste une complémentarité de quelque chose qu'on a besoin de recevoir, quoi. C'est pas, waouh, ça y est, j'ai réussi, je suis Jésus, je suis Marie, Madeleine, je sais pas quoi. Non, rien à voir. Voilà. Après, peut-être qu'on pourra enseigner par rapport à ça. Mais il faut rester humble, quoi. Il faut rester, ouais, si je fais ce métier-là, c'est que j'ai aussi besoin de guérir des parts en moi. C'est que j'étais tellement loin de moi que... et c'est ça, d'ailleurs, qui fait les meilleurs enseignants. Hein. On enseigne là où on est mauvais parce qu'on a fait tout ce cheminement pour reconquérir quelque chose qu'on avait perdu. Si j'étais née femme complètement, que j'avais cette essence féminine, je ne saurais pas en parler. Si je sais très bien enseigner le féminin aujourd'hui, c'est que je ne l'étais absolument pas et que j'ai vécu toute une série d'épreuves pour m'y reconnecter. Et du coup, je sais décortiquer le processus.
Voilà, c'est pour moi, c'est important de souligner ça, quoi. L'idée, c'est vraiment la conscience incarnée, elle n'est pas ailleurs qu'au plus profond de l'espace de la sensation. Et c'est aussi le symbole de la connaissance, mais de la connaissance organique. Ce n'est pas une connaissance mentale, c'est pas une connaissance, c'est une connaissance expérimentée. Et Marie-Madeleine représente ça dans le sens où elle a passé les 7 démons, hein, quelque part. C'est les 7 sceaux de chaque chakra, et elle a transformé chacun des vices en vertu. Mais elle a vécu le vice, et elle a expérimenté ce que c'est le vice, et du coup, elle l'a transmuté en vertu. Et donc, l'expérimentation féminine se fait jusque dans la chair même. C'est pas la même transmission qu'un savoir, je dirais, spirituel dans le sens conscience. C'est pas du tout le même chemin. C'est un chemin d'expérience, un chemin de transmutation de l'ombre en lumière. C'est un chemin alchimique, c'est un chemin... ouais, c'est l'alchimie, quoi. Hein. C'est d'abord, tu vois ce que c'est le plomb, et ensuite, tu transmutes ça en or. C'est pas un truc que tu reçois comme ça, c'est un truc que tu expérimentes. C'est vraiment organique, hein, comme process. Moi, à un moment, les énergies étaient devenues tellement fortes, on va dire, dans mes expériences, que j'avais même peur d'aller méditer, de m'asseoir et de fermer les yeux, parce qu'à chaque fois, les montées étaient d'une puissance, on va dire, presque intolérable. Et un jour, j'ai eu l'idée, d'ailleurs, en fait, presque soufflé, on va dire, par une amie à moi, de communiquer avec elle, en fait, et de lui carrément expliquer et commencer à dire, mais d'être simplement plus douce, plus, on va dire, plus... plus calme avec moi, de ne pas freiner le processus, mais juste de l'amener à être adapté quelque part à ce que j'étais capable de recevoir et de ne pas me faire trop peur par rapport à ça. Et littéralement, toute la stratégie a été changée, a été complètement différente, comme si la substance, la texture, la pression prenaient une allure complètement différente, les couleurs n'étaient pas les mêmes, et l'énergie s'est adaptée à quelque chose de beaucoup plus doux. Comme si on m'avait amené d'abord à un processus dans lequel on m'amenait à plus une ouverture du cœur pour amener ensuite un fluide beaucoup plus propre, beaucoup plus sain, qui m'amenait d'abord à fondre, d'abord à me détendre, pour ensuite commencer à faire monter quelque chose dans lequel mes sensations, quelque part, n'étaient plus autant impliquées, en définitive, qu'au début. Et pendant ces 4 jours, donc j'étais complètement exténué et j'en pouvais plus. L'énergie était vraiment beaucoup trop forte. Alors je me souviens, le 4e jour, spontanément, je me suis mis... à parler à ma Kundalini. Et là, j'ai dit stop. J'en peux plus, j'ai plus assez de force pour continuer à recevoir autant d'énergie. J'ai vraiment besoin d'un temps d'intégration maintenant. Et ça s'est arrêté net. Et plus rien pendant plusieurs mois. Il faut savoir que mon processus, en fait, de Kundalini n'a pas commencé forcément, moi, de bas en haut, il a commencé de haut en bas. Il y a eu d'abord des descentes profondes qui ont été faites, qui m'amenaient, en fait, à des mal de crâne, à des nettoyages, à des pressions sur la tête, qui ont duré, en fait, de cela pendant des mois, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, en fait, je savais pas ce qui se passait, en fait, véritablement. Simplement, l'énergie était juste en train de commencer à préparer le terrain pour, on va dire, autre chose. Donc aujourd'hui, ma perception est complètement différente parce que ça a acquis, on va dire, une qualité, en tout cas vibratoire, qui fait que je ne la sens que très peu, en définitive, puisque maintenant, je n'ai même plus notion de où ça vient, d'où ça descend, d'où c'est, parce qu'il y a quelque chose qui est devenu spatialement indéfinissable au niveau de ce que ça amène. Simplement, aujourd'hui, j'en définis beaucoup plus le centre, on va dire, qui est au niveau du cœur, et je sens, en fait, cette source, on va dire, peut-être que les espaces sont suffisamment aujourd'hui ouverts pour que quelque chose puisse passer du cœur, on va dire, de ce centre-là, et commencer à diffuser, on va dire, beaucoup plus facilement, on va dire, la substance, en tout cas, qui sent à se manifester dans mon corps. Si le cœur n'est pas ouvert, c'est dangereux. Il faut fluidifier l'énergie de vie, oui, bien sûr, il faut la fluidifier, mais éveiller la Kundalini, c'est pas impossible d'éveiller la Kundalini avec force respiration, avec force mouvement, avec force, et suivant le charisme de la personne, c'est fort possible, mais c'est extrêmement dangereux. Si le travail n'est pas fait de développement personnel, tout simplement, mais aussi d'un développement spirituel, d'ouverture du cœur, ben, on joue avec le feu.
C'est notre ouverture du cœur qui reste proportionnelle à la qualité, on va dire quelque part, et à l'intensité de nos montées de Kundalini. Parce qu'en fait, c'est le cœur lui-même, hein, quand je parle de ces trois endroits, qui lui-même en fait dirige, et c'est son aspiration au divin qui appelle en fait cette énergie à monter. C'est comme un appel manifesté, on va dire, du divin dans le corps et dans la matière. L'élévation du taux vibratoire trop rapide, en tout cas dans mon expérience, dans ce que j'ai pu vivre, ou les événements où j'ai pu être témoin, en fait c'est le taux vibratoire qui était élevé trop rapidement. Je ne suis pas sûre, ça n'est que mon avis, que cette violence, et je ne suis pas la seule à l'avoir vécue, je ne suis pas sûre que ce soit en lien. Très souvent, j'ai vécu en fonction du terrain émotionnel ou que la personne n'a peut-être pas encore travaillé sur elle et que du coup, elle revient de plus loin. Moi, aujourd'hui, honnêtement, je n'ai pas ce ressenti-là. Moi, avant d'ouvrir mon cabinet, j'ai travaillé pas mal d'années encore avant. Mon cabinet, voilà, j'ai été ancrée, j'ai été solide. Moi, en tous les cas, je ne fais pas un lien direct. Donc, tout d'abord, tout un nettoyage émotionnel. Moi qui croyais être la Vierge Marie incarnée, dans le sens où j'étais parfaite, j'essayais de faire les choses bien, j'essayais d'être gentille. Voilà, surtout sois gentille, d'accord, j'ai une gentille petite fille. Donc, j'étais très, très, très gentille petite fille. Et tellement gentille petite fille que j'étais open à tous les pervers narcissiques de la planète et qu'on pouvait faire n'importe quoi, c'était open bar, quoi. C'est-à-dire qu'aucune notion de ma limite. Et de mon jeu, comme je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire l'incapacité de dire « Aïe, ça fait mal, quoi, puisque je ne sentais rien du tout, quoi. » Et là, quand ça commence à venir là, c'était plus la gentillesse que j'ai commencé à sentir, c'est-à-dire que j'ai pu être en lien avec une haine. J'ai expérimenté l'inverse de l'amour, c'est-à-dire que j'avais envie de meurtre, quoi. Donc pour quelqu'un qui était la gentille petite fille, de pouvoir reconnecter cette émotion-là, et en même temps, je comprends à quel point l'enseignement de Marie-Madeleine est important. C'est-à-dire que tu ne peux pas connaître une notion si tu n'as pas vécu l'inverse. Tu ne peux pas enseigner l'amour si tu ne sais pas ce que c'est que de vivre la haine et être capable de transmuter cette haine en pardon, quoi. Ça veut dire que oui, pardonner, mais avant, sans ce que c'est que l'inverse. Parce que sinon, c'est du papier rose que t'entoures autour de merde, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein, ouais, l'amour inconditionnel, etc. Et puis tu sens que derrière, il y a tout sauf de l'amour inconditionnel, il y a une série de choses refoulées, et il y a d'abord besoin de connaître tout ce que tu as refoulé. Et moi, j'ai d'abord vécu ça. Tu vois, au moment où ça coinçait là, c'était... Je me dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce que c'est possible d'avoir autant d'émotions négatives, quoi? Et en même temps, ça m'a reconnecté à ce que j'avais besoin d'entendre, ce que j'avais besoin de dire, toutes ces colères-là. C'était une négation de mes valeurs, de ce qui était important pour moi, de tout ce qu'on m'avait imposé, et dans l'incapacité de dire « mais moi, je suis pas ça, moi, je veux pas ça ». Et j'ai compris que plus j'étais en lien avec ma colère, et plus je pouvais être capable de poser ce qui était important pour moi. Ok, ben moi, c'est pas ça que je veux faire ça. Ah non, mais c'est ça que tu dois faire. Mais si t'es pas capable de connecter la colère, tu peux pas t'appuyer dessus pour dire « moi, je suis pas ok ». Et ça veut dire que plus tu t'y connectes et moins tu vas être en colère, parce que plus tu vas être capable de poser ce qui est important pour toi, moins tu auras besoin de sentir ça pour poser ta limite, tu vois. Et ça a d'abord été ça. Et ensuite, c'est venu ici. Et là, waouh, ça a été, à chaque fois que l'énergie passait là, je sentais mon cœur qui craquait. Mais vraiment des craquellements, quoi. C'est comme si, et là, c'était que des pleurs. Alors là, tu vois, c'est des colères et c'était que des pleurs. C'était comme si les pleurs me nettoyer toutes mes rigidités, tu vois. Et pour connaître vraiment l'ouverture du cœur, il a fallu que je vive une énorme séparation. C'est-à-dire que mon cœur s'est tellement brisé dans ma blessure qu'il y a quelque chose qui a pu rentrer. C'est-à-dire que j'ai tout lâché, j'ai dit « ok, ça va, waouh, rentre dans cette blessure-là, rentre dans cette douleur ». Et la douleur était tellement puissante qu'à un moment, je me suis laissée être dedans. Et là, je me suis sentie rentrer d'une autre énergie et j'ai senti une plénitude hallucinante. Au moment où je sentais ma plus grosse blessure, je sentais également toute la réunion et tout l'amour qu'il pouvait y avoir dans mon corps, quoi. Et là, je me suis sentie pleine. Et c'est là où j'ai senti vraiment que là, ça commençait à s'ouvrir. Et puis après, là, autre saut ici, à cet endroit-là. Des trucs qui sortent pas, des trucs qui coincent. Et mon corps faisait beaucoup de mouvements comme ça, involontaire, pour décoincer l'énergie. Hein, c'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi,
bref, des mouvements de plus en plus rapides et qui ont commencé à débloquer là, tu vois. Et, bon, et effectivement, après, ben, là, c'est des lumières. Et puis après, bouf, voilà, ça a été 3-4 ans après, quand ces choses-là ont commencé à se décoincer, qu'effectivement, là, j'ai commencé à avoir des éveils de conscience, là, pour le coup, qui étaient en rien ces éveils émotionnels dont je parlais. C'était waouh, une découverte encore d'une autre dimension. Alors, l'anecdote la plus forte et la plus troublante, ça restera celle que j'ai vécue aux Canaries, où j'étais parti tout seul en vacances. Et le premier soir à mon arrivée, je me mets à méditer sur mon lit et elle se déclenche. Et à ce moment-là, des visions apparaissent en simultané. Et alors, les couleurs sont beaucoup plus belles que celles du quotidien. C'est elles sont beaucoup plus brillantes, plus colorées, plus éclatantes. Et là, dans cette vision, deux personnes viennent me chercher. Mais je ne vois pas leur visage. Et elles me disent, viens, on a une surprise pour toi. Enfin, elles ne me le disent pas avec une voix. Hein. C'est plutôt transmis par une forme de télépathie, de pensée imposée. Et j'ai la sensation d'être dans un vaisseau. C'est assez difficile à expliquer, mais j'ai cette sensation-là. Donc je me mets à suivre les deux personnes et on m'emmène dans une salle, dans un sous-sol. Et je dois descendre des escaliers pour y accéder. Et je commence à voir qu'il y a un grand écran dans la salle. Et en fait, plus je descends les escaliers, plus l'écran se dévoile. C'est-à-dire que d'abord, je commence à voir le bas de l'écran, puis le milieu, puis l'écran tout entier. Et ce qui est très étrange, c'est que ma Kundalini, son intensité, est directement connectée aux marches des escaliers que je descends. C'est-à-dire que plus je descends et découvre davantage de l'écran, plus elle s'intensifie, jusqu'à ce que je me retrouve en bas, face à la totalité de l'écran, où là, elle explose littéralement. Et sur l'écran, je vois deux personnes, un homme et une femme. Et l'homme, je sais que c'est moi, alors que je vois très bien physiquement que c'est pas moi. Donc c'est très bizarre comme sensation, c'est très subtil. C'est un peu comme si on connectait à une base de données en soi qui sait, qui se souvient, mais pas du tout une mémoire contenue dans les classeurs du cerveau, dans les souvenirs. Et la femme, je ne sais pas qui c'était. Et ce qui est très bizarre aussi, c'est que tout le long, ma conscience était simultanément dans les deux endroits. C'est-à-dire que je vivais pleinement la scène que je viens de décrire, et en même temps, j'avais une autre partie de moi qui avait conscience d'être sur le lit en train de vivre la Kundalini. La Kundalini est, d'un certain point de vue, l'outil qu'a prévu un petit peu le divin pour permettre, on va dire, la personne à être prête, quelque part, à recevoir quelque chose de nouveau. En fait, très généralement, en fait, dans notre manière de voir les choses aujourd'hui, de manière occidentale, là où on en est, en fait, un petit peu aujourd'hui, on prépare plus généralement un petit peu le corps à se nettoyer, déjà en commençant à nettoyer le processus de perception du je, du moi, par du développement personnel, par un travail lié en psychothérapie, en psychogénéalogie, en psychanalyse, en rebirth, en fond intérieur, constellation, etc. On va commencer à démonter un petit peu tout ce qui encombre quelque part la structure énergétique pour commencer à laisser la place un petit peu au cœur, à l'amour, à la conscience, on va dire, de venir. Simplement, à une certaine époque, des êtres se sont réalisés depuis des millénaires. Et c'est souvent ce que je dis, c'est que à une époque, le disciple qui allait voir son maître n'était pas là pour raconter son Oedipe de ses parents, de sa jeunesse à son maître spirituel. On l'amenait en fait simplement à débloquer les énergies et on l'amenait à se relier à ça parce que tout était prévu dans la nature et tout était prévu dans le corps pour permettre le déblocage et la purification, on va dire, de tous les blocages de la structure. Donc en fait, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Donc ça veut dire par là que le développement personnel tel que nous le connaissons n'est qu'une possibilité de nettoyage et de purification, on va dire, quelque part, de désencombrement, on va dire, de la conscience perceptive. Qu'il existe encore d'autres possibilités, on va dire, énergétiques, et comme il existe des possibilités, on va dire, émotionnelles ou mentales, etc., etc., de pouvoir agir quelque part sur ce désencombrement. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Quand j'ai posé ma main sur mon corps, à l'intérieur, pendant ces 2h30 là, j'ai senti mes milliards de cellules bouger. Vous savez, comme quand on joue au billard. C'était assez dans une grande chaleur et dans une. C'était tout ouaté, tout doux à l'intérieur. J'ai guéri physiquement.
j'avais trois symptômes physiques. Ils ont disparu. Je m'en suis rendu compte qu'après, au bout de 2h30, je n'avais plus rien. Moi qui suis, et pour les gens qui me connaissent, qui suis assez concrète, terrestre, pragmatique, et qui était toujours intéressée par la biologie, comment fonctionne le corps, j'ai été extrêmement émue et j'ai fait des recherches. Ça fait 4 ans maintenant depuis que je l'ai vécu. J'ai fait des recherches et je me suis dit, mais est-ce qu'on se rend compte que dans notre cellule biologique, dans notre essence, la première cellule embryonnaire qui fait que ce que l'on est aujourd'hui, mais qui commence par la cellule embryonnaire, a déjà cette information divine à l'intérieur. Je ne sais pas si moi je commence à me rendre compte sérieusement, et j'ose le dire parce que je pense que non seulement c'est ce qui m'a sauvé la vie, mais je pense que c'est ce que je vais avoir besoin de partager avec des scientifiques s'ils le veulent bien. Mais la cellule biologique a cette information-là. Elle est capable, selon un taux vibratoire assez élevé, je vous le reconnais, mais elle a cette information et du coup elle la transmet à toutes les milliards d'autres cellules, mais qui l'ont aussi. Et ça réveille tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça nous offre individuellement? Au-delà, bien sûr, de ce qui existe déjà, de la médecine généraliste, allopathique, les médecines parallèles, etc. Ça, pour moi, c'est un message. C'est plus qu'un message. Et je suis un peu émue. Pour le coup, j'ai vécu dans mon corps le spirituel et le terrestre et la guérison biologique. Je ne sais pas comment je peux... C'est énorme. C'est énorme. Si ce processus existe, c'est simplement parce que l'âme, quelque part le cœur, et notre partie divine manifestée à l'image de cette énergie divine, de cette Kundalini, va tenter petit à petit, au fur et à mesure, on va dire, du désencombrement du véhicule, va tenter de se rapprocher au plus proche de sa création. Parce que plus elle est proche de sa créature, qui, en tout cas, est une projection, une manifestation d'elle-même, on va dire, dans la création cosmique, c'est ce que nous sommes en tant qu'incarnation avec nos différents corps, va tout doucement commencer à infuser son pouvoir. Et son pouvoir n'est pas les qualités de la Kundalini, son énergie, etc. Non, non. Les pouvoirs sont des forces, des émanations qui viennent de notre propre cœur, qui sont uniques en fonction de ce que nous sommes en tant qu'être divin, qui vont commencer à pouvoir commencer à s'infuser dans le corps et à manifester quelque part des possibilités qu'on peut appeler aujourd'hui divines, qui vont être des qualités que l'on ne connaît pas encore ou qu'on connaît simplement à un petit pourcentage, comme la bonté, la générosité, la gratitude, l'ouverture, etc., etc., mais qui ne sont en fait qu'une toute petite partie de quelque chose de bien plus profond qui cherche à se manifester à travers nous. Simplement, pour que cela puisse se manifester, il faut que le processus d'identification qui est l'ego ne soit pas le virus qui va quelque part accaparer ces énergies-là, etc. Parce que automatiquement, ça va corrompre totalement tout le système. Donc il va falloir qu'il y ait une suffisante épuration, même jusqu'à la structure du corps mental, qui est ce processus un petit peu de égotique quelque part, qui soit littéralement et suffisamment dénué d'intérêt pour les phénomènes qu'il traverse, pour que ce processus puisse suivre son cours et que cette rivière, quelque part, d'amour puisse coloniser et simplement faire le travail qu'elle a besoin de faire. C'est comme si le fait de se sentir « je », de sentir « moi » et de sentir que nous avons une destinée, on va dire, personnelle, est quelque part une sorte d'enfantillage un petit peu permis, on va dire, un petit peu dans cette époque de transition que nous sommes dans notre évolution, pour juste ensuite nous permettre de réaliser que ça se joue pas du tout à ce niveau-là et que la véritable maturité intérieure n'est pas juste un don de soi-même et de se laisser porter, c'est une annihilation quelque part de tous les processus intérieurs, on va dire, de possession, de croyance en un être séparé qui va commencer à permettre, on va dire, au vrai « je » et au grand « moi » avec un grand « M » qui « aime » d'ailleurs avec un grand « moi » parce que le grand « moi » c'est le divin, c'est cette conscience indivisible qui, tranquillement, par un processus un petit peu illusoire de multiplicité des créatures, va amener, on va dire, cette énergie à descendre et à prendre possession littéralement de sa création. Parce qu'en définitive, quand on commence à réaliser, on va dire, certains espaces de conscience beaucoup plus profonds, on se rend compte que la notion même de « je », de « moi » et d'individualité n'existe pas. Que nous sommes le divin
qui vit pour le divin, à travers le divin et par le divin. Donc en fait, ce qui agit, ce qui fait, ce qui est présent à travers nous, ce qui est source de tout pouvoir, de toute synchronicité, est quelque chose qui agit à travers nous-mêmes et que nous sommes qu'une projection manifestée de quelque chose qui n'est que l'outil, on va dire, d'une création et avec une intention qui nous dépasse complètement. Depuis ces expériences, le plus gros impact dans mon quotidien, ça a été au niveau du ressenti des énergies. Mes mains se sont mises à un petit peu à capter les vibrations de tout ce sur quoi je les posais, que ce soit une pierre, un arbre, le sol, une personne. Je ressens énormément d'énergie dans mes mains depuis ces expériences. Mais une fois, j'ai une montée de Kundalini. En fait, j'avais des... Moi qui ne connaissais pas l'énergétique, hein, j'avais de l'énergie comme ça, moi, qui me sortait des doigts. Hein, et une fois, un jour, dès que j'allumais une prise, il y a tout qui se dégondait. Je faisais faire des ruptures de courant. Et il y a carrément la fiche d'une prise qui est carrément partie et qui s'est désolidarisée du... Je ne sais pas comment on appelle ça, hein, du truc. Quoi, hein, donc, j'ai retrouvé avec un fil, avec des bouts comme ça, tellement il y avait d'énergie dans les mains. Donc, c'est vraiment des sauts, hein. Des sauts, mais qui ont démarré d'abord par là, qui étaient très ombragés, pour ensuite connaître une félicité ici, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus doux, c'est-à-dire que je vis plus, c'est gros bon, c'est des trucs beaucoup plus fluides, voilà, avec beaucoup moins de nettoyage, je dirais. Quand le tuyau est sain, ben voilà, c'est fluide, et plus besoin de vivre des trucs hallucinants, ni des synchronicités dingues. La vie est redevenue quelque part normale, je dirais, mais je suis vivante, quoi, à la différence d'avant. Il y a un bouquin que j'aime bien qui est « Après l'extase, la lessive ». Je ne sais plus de qui. Et c'est quelqu'un qui a rassemblé des tas d'expériences spirituelles. Des tas et des tas et des tas d'expériences spirituelles, des uns, des autres, de telles façons de méditer, de gens qui avaient eu des éveils fulgurants, d'autres qui avaient pratiqué, sans vivre grand-chose, puis mais qui quand même s'étaient éveillés, mais sans qu'il y ait d'expérience incroyable. Et on se rend compte qu'on est tous uniques et qu'il y a autant de chemins différents et qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre et que... le plan divin nous dépassera toujours.